Cette nuit, j'ai dormi avec mon ami dans la toile de tente, c'était forcément un petit peu serré, mais bon, on a bien dormi, puis avec les sacs de couchage et la température qu'il fait en ce moment, on a vraiment pas froid et même carrément trop chaud. Pendant le temps qu'elle est partie aux toilettes, parce qu'il faut quand même aller jusque dans le fond du jardin, je lui ai préparé un bon petit café, donc avec une petite casserole, hein, tout simplement, mettre tout ça à chauffer avec ma fameuse bouteille de gaz, dont certains pensent que c'est une véritable bombe, mais ne vous en faites pas pour moi. Après avoir réchauffé l'eau, on m'a fait ce qu'on appelle un café à l'italienne, donc avec une cafetière à l'italienne. Moi, j'adore ces cafetières-là parce que ça permet d'avoir un café plus authentique avec le goût. En plus, un petit café bio, enfin bon bref, on essaye de faire ça bien quoi, avec de l'eau filtrée du robinet, parce qu'on évite de boire l'eau du robinet directement telle qu'elle, elle est pleine de produits malheureusement, et donc elle est revenue, je lui ai servi son petit café et on s'est pris un petit déj. Alors on a fait ça dans le Kangoo, hein, parce que je trouve que c'est quand même plus agréable d'être assis sur des sièges molletonnés en plein soleil, car le matin il fait encore un petit peu frais, donc ça permet d'être un peu au chaud. Et donc là, bah, elle a pris ses céréales préférées, moi j'ai fait pareil avec un petit peu de lait d'amande, j'ai pas mis mon curcuma cette fois-ci, mais bon c'est pas grave. Et donc après un bon petit déj et un bon café, elle s'est mise au travail donc pour me donner un coup de main sur mes zones mellifères pendant que moi je faisais la vaisselle. Mais juste avant ça, elle a fait son petit sport, donc je lui ai fourni ce que j'avais, des élastiques, un petit tapis, et regardez-moi ce qu'elle m'a préparé, c'est magnifique, avec toutes les petites plantes et bien paillées avec des ardoises.